la mitomo. Yahweh, Yahweh, bemi sanikomwe. Yahweh, Yahweh, bate la mitomo. Mardi 22 octobre 2024, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces nouveaux numéros du journal sur ma bannière télévision. Un très grand plaisir pour moi de vous le présenter. À Kasangoulou, deux policiers sont jugés pour meurtre et usage abusif de munitions de guerre. Cela fait suite à une altercation qui a eu le samedi 19 octobre 2024 entre les forces de l'ordre et deux groupes de jeunes délinquants ayant conduit à la perte en vie humaine. Pour s'assurer du bon déroulement de ces procès, le gouverneur de la province du Congo central, Grâce Nkwanga Maswangi Bilolo, s'est rendu sur place avec les images de la cellule de communication du gouvernorat. Liliane Kwengo nous en parle dans ses commentaires. La province du Congo central n'est pas en marge des dernières mesures prises par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de la 18e réunion de conseil des ministres concernant la lutte contre la criminalité dans toutes ses facettes et autres actes barbares mettant en mal la quiétude de la population. C'est dans ces cadres qu'elle a ouvert lundi 21 octobre 2024 sous la direction du tribunal militaire devant la maison de la femme à Kasangoulou, une audience foraine exceptionnelle en flagrance, mettant en cause deux policiers accusés de meurtre et utilisation abusive de munitions. Le gouverneur de la province du Congo central, Grâce Nkwanga Maswangi Bilolo, qu'accompagnait le président de l'Assemblée provinciale et le ministre provincial de l'Intérieur, s'est rendu personnellement sur place pour non seulement prendre part à l'audition des prévenus, mais aussi et surtout suivre de près cette affaire dans le but de mettre fin au banditisme urbain et écarter le fauteur de troubles au sein de services de la sécurité. Les événements dramatiques survenus le samedi lors d'une intervention de la police pour stopper une bataille entre deux gangs rivaux. Dans cette confrontation, les policiers ont fait usage de leur arme à feu, entraînant mort d'hommes et de blessés admis à l'hôpital. Dans son souci de garantir la sécurité et le bien-être de ses concitoyens, le gouverneur de la province du Congo central, Grâce Nkwanga Maswangi Bilolo, a posé un geste fort en remettant des compensations financières aux familles de victimes de cette intervention policière. Cette action symbolique témoigne de la volonté des autorités provinciales de répondre avec fermeté à l'insécurité et aux imprudences des forces de l'ordre. Autre chose, mesdames et messieurs, au total 15 présumés Kuluna ont été appréhendés dans la nuit du dimanche au lundi 21 octobre 2024 par les éléments de la police nationale congolaise du commissariat urbain de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Ces présumés malfrants ont été également présentés au maire de Matadi, Dominique Kodia Mbete. Plus de précision, c'est dans cet élément de reportage. Dans une patrouille mixte organisée par la PNC et le FRDC, plusieurs présumés en civique ont été appréhendés dans la nuit du dimanche au lundi 21 octobre 2024. Ces racketeurs, qui opèrent pour certains avec des armes blanches et pour d'autres avec des armes à feu, ont été présentés le lundi 21 octobre 2024 au maire de la ville de Matadi, Dominique Kodiambete. À en croire cet officier de police judiciaire, ces 15 présumés Kuluna sont de récidivistes. 15 Kuluna wana omoni bakangi wana baza batu moko bazalaka toujours arrêté. Les 15 présumés Kuluna que nous venons d'arrêter sont tous récidivistes. Plusieurs fois, nous les avons appréhendés. Nous n'allons pas nous fatiguer pour faire notre travail et les envoyer à qui des droits. Dernièrement, ils sont allés cambrioler plusieurs maisons au quartier Kotazo pendant qu'ils commettaient leur forfait. Heureusement, les victimes ont pu identifier certains parmi eux.
Heureusement, les victimes ont identifié qui parmi bango ba auteur ou ba commettant qui ba forfait wana. Signalons que ces malfrats ont cambriolé plusieurs maisons au quartier communément appelé Kotazo dans la commune de Mvouzi. Parlons toujours de la PNC au Congo central. Monsieur Zidam, le commissaire divisionnaire provincial de la police nationale congolaise au Congo central, le général Israël Kantou Bakoulou a tenu une parade policière dans la matinée du lundi 21 octobre 2024 à l'esplanade du stade Tamar. Devant le troupe de différentes garnisons, le numéro 1 de la PNC au Congo central a recadré et interpellé ses éléments au respect stricte des règles qui régissent la police nationale congolaise. C'est à l'esplanade du stade Damar, dans l'avant-midi du lundi 21 octobre 2024, que le commissaire provincial de la police nationale congolaise du Congo central, le général Israël Kantou Bakoulou, a tenu une parade policière. Dans son adresse devant les différentes troupes de garnison, le commissaire provincial de la PNC a recadré et interpellé ces éléments au respect de règles qui régissent la police nationale congolaise. L'organisation et fonctionnement de la PNC au Congo central, le rôle de la police, la moralité du policier sont le point évoqué lors de cette causerie morale. Par ailleurs, le général Israël Kantou Bakoulou s'est appesanti sur le droit de l'homme dont la police doit tenir en compte et la sécurité qui bat son plan à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. À chaque fois que nous nous réveillons le matin, nous avons de nouvelles telles que à Bouima, ils ont volé. À Soyo 4, ils ont violé. Derrière le stade Damar, les Koulouna sont avec le machette. Et maintenant, quand ils agissent comme tels, voulez-vous que la population nous applaudisse? L'homme insulte plus que vous, si vous ne le savez pas. Alors aujourd'hui, je veux que ces insultes s'arrêtent. Mais pour ce faire, nous devons travailler dans la discipline. Aux éléments de force de l'ordre, le commissaire provincial les a invités au respect des lois du pays. Vous et moi respectons les lois du pays. La population est celle que nous devons protéger et ce bien. Si vous portez une arme en main, ce n'est pas synonyme de l'utiliser sans ordre. Je suis très content d'avoir un de nous été condamné pour avoir acquis à Boussaki. Tous les moyens sont possibles à part l'utilisation excessive de force. Faut doser force d'ailleurs. Parlons autre chose, mesdames et messieurs. L'évacuation de produits agricoles vers le grand centre de consommation est un véritable casse-tête pour les habitants de milliers ruraux dans la province du Congo central. Lorsqu'il pleut, la circulation devient presque impossible sur la route qui mène vers le village en Soumbi dans le territoire de Skebanda, Clodidon, Lukano. Par manque de routes de qualité pouvant faciliter l'évacuation des produits agricoles vers les centres de commercialisation, une importante quantité de denrées pourrissent dans les territoires enclavés. L'état de délabrement des routes constitue un véritable blocage pour le développement de la province du Congo central. Le cas de cette route qui va du village Kwakwa jusqu'en Soumbi dans le territoire de Sekebanza en passant par le village Gaf, Sanzala, Kaipimbi et autres qui se trouvent dans un état de détérioration. La circulation est presque impossible pour le véhicule après la pluie et très difficile pour les motos. Les usagers de ces taxis routiers lancent un cri d'alarme auprès des autorités compétentes. Cette route est vraiment délabrée. Ça nous fait souffrir. Une fois qu'il pleut, nous avons de difficultés d'arriver au macadam. Nous sommes bloqués dans cette montagne avant Kwakwa. Pourquoi? Parce qu'il a plu. Si vous, les autorités, n'ayez pas un œil sur ces tronçons de Soumbi, c'est vraiment désolant. Nous n'avons pas le moyen d'évacuer nos produits agricoles, mais pour autant, nous avons des enfants qui étudient aux universités. Vous voyez, mes gars, mon âne, vous voyez, vous êtes à quel événement? Moyen de transport de quel événement?
Ça, c'est la route de Soumbi. Nous souffrons et nous sommes fatigués de promesses. Mais que les autorités arrangent quand même cette route. Il n'y a pas moyen d'acheminer nos produits à Matadi, faute de transport. Selon les habitants des milliers ruraux, depuis plusieurs années, la question de la réhabilitation des routes et des serres agricoles n'est plus une priorité pour le dirigeant de la province. Mettre en place cette politique soulagerait non seulement les utilisateurs de cette route, mais aussi les consommateurs des produits agricoles dans des centres-villes et qui ne cessent de crier sur la vie chère. La femme rurale de la province du Congo central a plusieurs défis qui constituent une pesanteur pour son épanouissement et le développement de son milieu rural. Nous fait savoir quelques-unes d'entre elles dans ces reportages de Fallon Kenge réalisés en marge de la journée de la femme rurale célébrée le 15 octobre dernier. En dépit de son apport dans l'agriculture de la province et la survie des ménages dans la communauté, la femme rurale du Congo central s'est dit encore confrontée par plusieurs défis qui, selon elle, constituent un blocage pour son autonomisation ainsi que le développement de sa province. À l'occasion de la journée internationale lui dédiée, célébrée le 15 octobre dernier, la femme rurale de la province du Congo central trouve encore l'occasion de s'exprimer. Approchée par notre rédaction, elle a laissé entendre que l'état des routes des dessertes agricoles lui empêche l'évacuation des produits agricoles vers les centres commerciaux. Et cela empêche non seulement son épanouissement, mais aussi celui de ses enfants, étant une mère de famille. Nous éprouvons beaucoup de difficultés à cause de la détérioration des routes. Nous cultivons, mais la vente est très lente et cela affecte nos ménages, en particulier la scolarité de nos enfants étant mères et femmes, en dépit de la gratuité de l'enseignement des bases. Nous regrettons beaucoup de l'insensibilité de nos élus et autorités provinciales à qui nous femmes avions accordé confiance lors des échéances électorales. Nous les invitons à nous réhabiliter les routes afin de nous permettre la vente de nos produits agricoles et la survie de nos familles, qu'ils soient vraiment des représentants du peuple au Parlement. Depuis 31 ans, le mois d'octobre a toujours été consacré à la sensibilisation sur les cancers de sein qui est devenu l'une des causes de morbidité chez la femme à travers le monde. À cette occasion, de gouvernements et ONG organisent des activités visant la lutte contre cette maladie gynécologique. L'année 2024 marque le 31e anniversaire de Octobre Rose qui vise la sensibilisation de la communauté sur les cancers du sein qui, selon les scientifiques, devient le cancer le plus fréquent de l'humanité. Défini comme une tumeur maligne qui se développe au niveau de la glande mammaire, le cancer du sein est à ce jour l'une des causes de morbidité chez la femme à travers le monde, bien que la maladie puisse concerner aussi l'homme. Au début, cette maladie se manifeste par les grosseurs non douloureuses du sein, déformation du sein, déviation du mamelon, rougeur, œdème et chaleur d'une zone du sein, ainsi que l'aspect des peaux d'orange d'une partie du sein. Selon des gynécologues, pour prévenir les cancers du sein, il est important de se faire dépister par mammographie, généralement à partir de l'âge de 30 ans, surtout chez la femme. Par ailleurs, il est conseillé de privilégier l'allaitement et les massages, de limiter la consommation de l'alcool, éviter la cigarette, contrôler son poids, être actif physiquement et éviter l'exposition aux rayons solaires et à la pollution de l'environnement, mais aussi favoriser la consommation des fruits riches en vitamine D. C'est par cette note de santé que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi.
Et surtout, bonne suite des programmes sur les antennes de Ma Bannière Télévision. D'ici là, portez-vous bien.